Ah oui, le toc toc pour vous YouTube. On n'était pas dans le jeu. Alors moi j'ai un problème avec Cabal. Oui, j'ai ah oui, Clean de l'œil. Le problème que j'ai avec Cabal, c'est que son histoire dans Mortal Kombat 9 correspond pas vraiment. Bon, on va jouer Cabal. Doucement, mon gars. Tu n'es pas passé loin. Eh non. En chair et en os. J'étais en feu. Grillé comme une saucisse, ouais. Heureusement que t'es trouvé. Je suis hideux. La magie de Shang Tsung a guéri ton corps. Mais tes poumons... Ouf. Enlève-le. Impossible, inamovible. Quoi? Tu ne pourrais pas respirer. Mais... Je suis un monstre. Le truc pour respirer, il est branché directement à sa gorge. Il peut enlever son masque. Tiens, essaie-les. Non, je ne me sers plus de ces trucs. Ouais, t'es devenu un vrai flic réglo. Le dragon noir n'est plus le même sans toi, mec. Tu devrais revenir. Y a du pognon à se faire dans cette guerre. Vous avez vendu des armes à ces monstres. Tu l'as dit, beau fille. Tout est de ta faute. Qu'est-ce qui te prend, hein? C'est bien ici, non? Je devrais être mort. Mais c'est toi qui vas mourir. Tu l'as dit, Buffy. Oh là là. Incroyable, hein. What the fuck? Excusez-moi, la gravité vient de m'appeler. Elle a pas aimé ce qui s'est passé. Alors... Très bien, je n'utilise plus ces trucs, ils sont déjà dans son dos. Mais je vais me prendre un perfect ou comment ça se passe? Ricochet approuve. C'est clair. Tiens, et ça? Allez les genoux! Ah mais rigole pas trop toi! Le mec il rigole. Oh, qu'il se fait péter les... J'ai fait... Ah oh, y a des petits bugs de son quand même hein. Ah. Ok, ça j'ai trouvé. Ouais, mais ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Ah, son X-ray est passé. Ouch. Je crois qu'on était amis. Round 3. Fight. Donc en gros, on est un ancien membre du Dragon Noir qui est devenu policier. Et qui vient de se faire aider par Kano pour qu'il rejoigne le Dragon Noir à nouveau. Mais, moi de ce que je sais, c'est que Kano à la base c'est un policier qui a rejoint le Dragon Noir pour l'infiltrer en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas, parce qu'il me semblait que c'était ça normalement son histoire. C'est ça comme ça? Non. Alors, si vous me voyez taper dans le vide là, c'est que je teste. Oh.
Je teste en fait pour faire les avant-arrière, les quarts de cercle, des trucs comme ça. Bon, et comment je sors de là? T'as plus envie d'être mort tout d'un coup, hein? Comment je peux sortir d'ici? Bon courage. Personne ne quitte le monde extérieur sans le consentement de Shao Kahn. Peut-être. Le monde extérieur? Shao Kahn? Shao Kahn, c'est le boss ici. Et bientôt, le nouveau maître de la Terre. Où est-il? Pas la peine. Tu ne peux pas t'en approcher. Non, mais je suppose que toi, oui. Ah, il a un œil cramé du coup. Qu'est-ce que c'est? Raiden a tué Motaro. C'est lui. Raiden, t'es un vrai devin, dis donc. Ce n'est pas grave. J'irai au royaume Terre, finir le travail de Motaro. Oh, la milf. Oui. Shang Tsung. Oui, empereur. L'impératrice veut te demander quelque chose. Tu vois, je pense qu'il est un peu trop. Je vais me le faire. Voilà, Shang Tsung, adieu. Du coup, Sindel, power up. Ah, oh, ça va être du 2 contre 1. Personne n'attaque l'empereur. Round 1, fight. Allez. Ah, mais Noob Saibot, il a l'air d'être violent. Oh, bien joué. Direct à la jugulaire. Ah bah oui, il veut ça. Ah ouais, Noob Saibot, ça va être... Les deux, je crois que ça va être le pire. Bon bah... En plus, comme on se rapproche de la fin, j'ai l'impression que les combats sont un peu plus durs. Non. Oh. 18 ans. Donc faut faire attention parce que Noob il a de l'anti-air. Ils ont de la TP tous les deux. Ah, bien sûr. Bronze, c'est classe. Saibot, mais qu'est-ce qu'il me met, quoi? Si je fais réessayer, c'est lui en premier? Ouais. Je sais plus c'est quoi le extrait de Noob, de comment il active. Peut-être un portail où il attaque par en dessous. Donc faut faire attention. C'est bon. Mais pourquoi cette glissade d'onde qui annule mes coups, quoi? Bon, par contre. Elle aussi. On lui pète les genoux. Voilà. Baf! Et paf! Et la petite baffe. Alors on finit à la baffe. Round
Hop hop. Bien sûr. J'ai dit qu'il y avait de l'anti-air, monsieur. Bon, moi j'en ai pas. Oh là là là. Arrête! Arrêtez de sauter face à Noob Saibot. Quoi? Comment ça? Il faut pas essayer de se déstabiliser. Ok, ok. Hop! Ah merde, je pensais que les joues c'était fini. Non! Oui! Et moi qui pensais être un monstre. Wanchi, ferme le portail! Je dois filer. Vraiment? Mais il lui a fait des couettes. Quelle vitesse! Ça doit être un effet secondaire de la magie du monde extérieur. Ah. Tu n'es pas autorisé à utiliser les portails. Ah ouais? T'es qui, toi? Sub-Zero, unité LK520. Ah, tu dis ça comme si ça avait un sens. Tu vas le savoir très bientôt. Cyber Sub-Zero! Round 1, fight! Qu'est-ce qu'il est classe? Et son sang, c'est de l'azote liquide, en quelque sorte. Moi, je le kiffe. Cyber Sub-Zero, je le kiffe. J'aimerais très bien qu'il revienne. Mais bon. Ah oui! Ah, il survit avec un point de dégâts. Un point de vie. Round 2. Fight! Bien sûr! Bah oui, il tape quand l'ennemi est gelé. C'est pas parce que c'est un robot qu'on peut pas le casser. Bah si. Paf, pif, paf, ouf! Non, ça, je vais me reprendre. Non, c'est bon. Ah oui, mais je sais ce qui se passe après. Ouais, ça par exemple. Oh, j'ai trouvé à la fin. Excellent. Ah, pas si cool que ça, tu vois. Je t'ai bloqué le perso caché. Pourquoi te retourner contre ton frère, Lin Kuei? Cette chose n'est pas mon frère. C'est une machine. Je suis humain. Tu n'as pourtant pas l'air humain. Ne te fie pas à mon masque. Et toi, t'as quatre bras. À cette fois, il est un peu plus habillé quand même. Alors quand je dis un peu plus, hein, c'est parce qu'ils ont rajouté 2-3 ficelles. Ça fait plus, hein. Ah, une espèce de peinture de guerre aussi.
Et surtout des protège-bras. Ah oui. Alors, tout à l'heure j'ai réussi à faire le plus loin là. La petite boule de plasma. Je sais plus à comment exactement je l'ai fait. C'est pas ça déjà. Là on a esquivé un X-ray. Mais du coup, Cabal a ses pouvoirs à cause de la magie du monde extérieur. D'accord. Enfin, du moins, dans cet univers-là. Dans cette version-là du jeu. Paf ! Les genoux ! Allez, trois petits coups de poing, et on avance. Je commence à me sentir comme avant, en plus rapide. Sub-Zero. Oula. Tu as en effet de grands pouvoirs, Cabal. Attendez, c'est vous le type aux éclairs. Vous avez aidé Stryker. Stryker, est-ce qu'il... Il va bien. Il nous a rejoint dans notre lutte contre Shao Kahn. Ton aide serait aussi la bienvenue. Bienvenue sur le répondeur de Raiden. Ce qui faisait de lui Sub-Zero n'existe plus. C'est mon ami. Ce qu'ils lui ont fait, c'est... affreux. Mon Dieu, c'est énorme. On l'aidera, si on le peut.